7h23 sur RTL. Tout simplement. RTL, comment ils vont, mes petits djihadistes de l'info? Comment ils vont? Ils vont très bien. Ah, ça fait plaisir. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la super coupe, nous. Alors, après Sébastien Marx, dont la chronique est disponible en podcast à la rubrique. Très, très bien. C'est notre Sébastien Toen du jeudi qu'on accueille. Sébastien, tout le monde a très envie de savoir avec qui vous avez passé votre soirée hier. Eh bien, figurez-vous, les amis, les copains, les copines, que j'étais hier avec celui qui va pas faire. On va dire, qui va faire tout péter dans pas très longtemps. Ah bah, vous étiez avec Vladimir Poutine. Alors non, je n'étais pas avec le forcené qui a la bombe nucléaire, j'étais avec le flotre forcené, celui qui a la moustache. J'étais avec Philippe Martinez, le patron de la CGT et clone officiel de Gilles Lelouch et Jean Benguigui. Ah, ce sacré Philou Martinez, on s'est retrouvé dans un snack. Bah oui, forcément à l'ancienne, porte de Montreuil. J'ai dévoré un sandwich kebab sauce samouraï et hépatite A. Pendant que Philou, un bon syndicaliste, démontait sa 6e merguez frite de la journée. Ce combat contre la réforme des retraites, c'est vraiment la lutte finale. Bah, déjà par définition, la retraite en termes, c'est déjà la fin, tu vois, fin du travail, et bien souvent très vite après fin de vie. Et puis pour Philo aussi, il sait que c'est un petit peu la lutte finale dans le sens où c'est le combat de sa vie. Ah bah oui, là il joue sa vie, là. Franchement, s'il fait annuler la réforme du gouvernement, ses collègues de la CGT lui ont promis, il gagne son point en chipolata. Ah si. Donc Philo, il est à fond, il est sympa, il est là, il est 20h33, il me fixe et il me dit: Seb, on va gagner, la réforme passera pas. Toi aussi rejoins le combat. Allez, voilà, pop. On se calme, perso je viens d'avoir un contrôle fiscal, je ne comprends rien à ce qui se passe. Déjà que moi le principe de travail me dépasse, alors imagine celui de la retraite. C'est dur pour moi de me positionner. Moi tout ce que je vois, c'est que ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de transport en commun, dans Paris notamment. Hein. Alors même si cette ville a quelques inconvénients, hein, c'est hors de prix, il fait un petit peu gris. Heureusement dans cette ville à Paris, c'est blindé de Rome. Et on a de la chance, parce que du coup moi depuis 48 heures je me déplace, pas vous, hein, je me déplace uniquement à dos de Rome. Alors le moindre déplacement me coûte 50 balles, et on est confort, vraiment. Même sur une femme, hein. Même sur une femme, vraiment, vraiment. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Et Philou me dit, mais attends, mais toi Seb et tes collègues de la matinale, vous n'êtes pas sur France Inter, ok, mais vous comprenez notre combat, vous êtes peut-être un peu de gauche, au moins la gauche caviar. Ah bah je lui dis, mais Philou, regarde nos fringues, regarde nos joues. Avec qui, Amandine et Louis? On n'est pas la gauche caviar, on est la droite charcute. Mais oui, et c'est pas un défaut. On aime la thune, les Rolex et le saucisson, ça se voit tout de suite. Même Cave Rivière, un autre filou comme toi, Martinez. Quand tu vois certains jours son style, tu te dis, bon bah lui, il doit passer ses vacances au camping d'Argelès. Oui. Eh ben non, il n'est pas au resort de Marrakech, il y a encore 3 jours, ce salopard. Ouais. Et avec l'argent de France Télévisions. Mais pourquoi pas, si ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir, c'est pas si simple. Ah, Philou me dit, mais Seb, mais tu rigoles, mais faut qu'on fasse cette réforme parce que tu sais bien que... La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin le temps. Tant que j'avais pas entendu, non, aussi. Mais oui, c'est un plaisir. Mais oui, la vie commence à 60 ans parce que la retraite aussi, mais enfin jusqu'à maintenant, mais pour faire quoi? C'est quoi à 60 ans la retraite? Alors picoler, jouer à la pétanque, avoir les problèmes de prostate et mater France 3? Mais je fais déjà tout ça, moi, à 46 ans. Mais j'adore! Alors, tu sais, moi, après une loi à 62, 64 ans, excuse-moi, mais mon cœur balance. Mais tu sais, Philou, je lui dis en partant, avec toi, je suis avec toi, si tu veux vraiment avoir mon avis sur toutes ces questions importantes, je te l'accorde, chante avec moi. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Ouais, on est réveillés. Alors travaillez, travaillez pas. Partez à la retraite, partez pas. Manifestez, manifestez pas. Mais par pitié, écoutez-moi. Bonne journée à toutes et à tous, camarades. Le travail, c'est la santé. Il avait raison, hein. Salvador, sinon. Et le sosie d'Mbappé, on y revient toujours. Ah, mais c'est marrant. Oui, on pensait au match, ils ont perdu. Oui. Oh, ça fait chier. Mais tout est lié, en fait. Ah oui, tout est lié. Mbappé, ouais, il avait raison, Divisio.